Om Shanti à chacun. Om Shanti. C'est ça. Quelle que soit la nécessité de l'effort, Baba nous donne le signal exact, ces signaux sont dans cette direction. Un jour, Baba a demandé aux enfants, à travers nos bons souhaits et notre attitude élevée, avec notre esprit élevé, nous faisons du service à travers notre bouche et nos actions. Et Baba maintenant nous demande de faire du service avec notre esprit, notre niveau élevé et aussi les vibrations élevées, les bons souhaits et les sentiments élevés. C'est cela que Baba veut que nous fassions. Baba veut que l'on fasse nos devoirs. Et hier, dans le message de Bob, Baba disait de toujours être dans la conscience qu'on est une âme et d'être un ange, mais aussi en même temps être un karma yogi. Et maintenant, nous allons de plus en plus en profondeur. Quelle est la conscience de l'âme? Quelle est la conscience du corps? En bougeant, faisant nos actions, et comment chacun des organes physiques nous permet de faire les actions. Moi, l'âme, je réussis à faire le service à travers ces organes physiques. Et moi, l'âme, je suis paisible. Donc, se souvenir de notre forme originelle et éternelle, et c'est la conscience qu'on est une âme. Donc, automatiquement, l'ange veut dire sortir de la conscience, se retirer de la conscience du corps. Il y a toujours l'attirance du corps, mais l'ange, c'est devenir, se sortir, se retirer de la conscience du corps. On est toujours en service, mais on est toujours au service de la maison. Parce que les sentiments que l'on a pendant le Seva doivent être complètement purs. Quand on offre Bhog à Baba, il y a un sentiment pur, qu'il y a beaucoup d'amour pour Baba. Et l'autre élément, c'est de ne rien vouloir en retour. Donc, le revenu doit être constant. Et comment on accumule nos acquisitions? Certaines âmes veulent de l'amour, de la patience, de la tolérance. Certains veulent la coopération, quel que soit le pouvoir que nous avons. Et si on voit d'autres âmes qui manquent ces pouvoirs, ne dites pas à cette âme, ne le dites pas à l'âme, parce que ça décourage l'âme. Au lieu, vous donnez la coopération, le pouvoir de coopération. À ce moment, exactement, l'âme recevra ce que l'âme a besoin et vous devenez l'incarnation de ce pouvoir pour que l'autre âme reçoive ce pouvoir et qu'elle devienne puissante. Aujourd'hui, Baba dit, toujours ayez des pensées, des sentiments élevés, des bons souhaits, une attitude élevée. Parce que si l'attitude est élevée, ainsi il n'y aura pas de question, est-ce que ça va se passer ou pas? Parce que tout ce que l'on commence doit être assorti des bons souhaits. Tout est bon et tout sera bon. Ayez toujours ce bon souhait et ces sentiments purs.
les sentiments élevés. Beaucoup d'âmes demandent qu'est-ce que c'est les bons souhaits et les sentiments purs. Les sentiments purs, ce sont des sentiments, il y a de l'émotion là-dedans. Et un vœu, c'est ce que l'on veut. C'est que ce vœu que l'on veut, quelque chose que l'on veut qui soit comblé. Alors, quand Baba dit « Tout est bon et bon, tout sera bon et tout va être très bon. » Et si vous pensez comme cela continuellement, cela deviendra très bien, très bon. Et de la même manière, les bons souhaits, les sentiments élevés. Dans notre attitude, il ne doit y avoir aucun motif égoïste. Dans les différentes formes, quand on marchande un peu, quand on est dans la forme de marchand, dans l'âge des marchands, on marchande un peu. Mais en ce moment, tout ce qui arrive doit être bien, bon et puissant. Et pour servir plusieurs âmes par nos sentiments élevés, quels sont les quatre éléments? Les sentiments élevés, des bons souhaits, une attitude élevée et des vibrations élevées aussi. On peut servir par l'esprit. On peut servir beaucoup, beaucoup d'âmes. Baba parle. Baba demande, qu'est-ce que c'est le seva? Seva, ça ne veut pas dire s'asseoir et faire cela. Mais on doit utiliser ces quatre éléments qu'on vient de nommer. Ce n'est pas que vous avez de l'égoïsme, mais souvent, c'est parce que c'est ordinaire, ce n'est pas assez élevé. Donc, dans ce yagya, nous devons s'abandonner et on doit avoir beaucoup d'amour envers le yagya et Baba et Karan Karavana et la tâche de Baba doit avoir lieu. On doit avoir ce genre de pensée dans notre esprit. Et grâce à ce genre de pensée, ce sont des pensées qui nous élèvent. Sinon, ce seront des pensées ordinaires. Donc, on doit garder notre attention. Ces quatre éléments dont Baba parle. Et quelle est la méthode pour ceci? Baba dit, devenez un phare et un générateur. Le phare n'a aucune pensée, qu'est-ce que je dois faire? Et si les navires sont perdus, vous avez vu les phares, comment ils fonctionnent, ils donnent la direction dans la nuit à des navires parfois qui ne voient pas. Donc, c'est la même chose. Si notre niveau devient un exemple, on peut devenir un phare pour plusieurs âmes parce que plusieurs âmes sont confuses. Où aller? Quoi faire? Qui suivre? Alors, on dit simplement « Suivez le Père », mais souvent les âmes ont besoin de beaucoup d'exemples. Combien parler? Comment parler? On doit toujours devenir un exemple comme un phare pour que tous reçoivent les directions de ce qui est vrai et ce qui est fou. Et pour devenir un phare, on doit aussi être un générateur, donc puissant. Bien sûr, il y a toutes sortes de vagues dans l'océan. Et souvent, les vagues
frappe le phare avec une grande force et le phare doit rester stable. Et Baba dit aussi, nous sommes à la fois le phare et le générateur. Donc, c'est une lumière puissante. Mansa, l'esprit, ce n'est pas une question d'avoir des facilités, c'est besoin d'être empli de lumière et de puissance. Donc, devenir un phare et aussi un générateur. Et garder toujours attention sur les quatre éléments qui sont nommés dans le signal Aviak pour que chacun puisse prendre notre puissance et qu'on devienne un exemple pour chacun. Om Shanti. Alors, c'est la révision du Murli Aviak de 1969 et plus. C'est ce qui nous inspire les Brahmines à devenir un ange. Om Shanti, Om Shanti, c'est le Murli Aviak, c'est le Murli du 23 octobre 1970. Défend pour devenir un Maharati. Savez-vous faire les exercices spirituels? Que devez-vous faire dans l'exercice? L'exercice signifie plier votre corps comme vous le souhaitez. Et l'exercice spirituel signifie stabiliser l'esprit dans le niveau que vous voulez, quand vous le voulez, c'est-à-dire être capable de vous stabiliser au niveau que vous désirez. C'est ce qu'on appelle un exercice spirituel. Une armée fait exactement ce qu'un commandant ou un instructeur leur signale de faire. De la même manière, vous devez être vous-même le maître ou le commandant et vous stabiliser dans le niveau dans lequel vous souhaitez être. Êtes-vous devenu votre propre instructeur? Ça ne devrait pas être que l'instructeur dise « levez la main » et que les étudiants lèvent la main, demande de baisser la main, que les étudiants baissent la main. Ou que le commandant dise droite et que les soldats tournent à gauche, qu'adviendra-t-il à ses étudiants ou ses soldats? Ils seraient licenciés. Alors ici, vous vous rejetez de votre plein droit. Vous devriez avoir une telle pratique que vous pouvez stabiliser votre niveau où vous voulez en une seconde, car vous êtes maintenant sur le champ de bataille. Sur un champ de bataille, si l'armée ne met pas en pratique une direction en une seconde, comment s'appelle-t-elle? Comment appelleriez-vous les soldats qui mettent du temps à se stabiliser à un niveau particulier sur ce champ de bataille spirituel? Aujourd'hui, Babdada observe les enfants Maharati qui font des efforts, ceux qui se considèrent comme des Maharati. Les Marathis, ceux qui font des efforts. Ceux qui se considèrent comme des Marathis, levez la main. Quelques-uns ont levé la main. Que se considèrent comment ceux qui ne sont pas Marathis, comment vous considérez-vous? Ils se considèrent comme la cavalerie. Levez la main. Babdada pose cette question à ceux qui n'ont pas levé la main pour devenir des Marathis.
Vous considérez-vous comme les héritiers de Babdada? Ceux qui se considèrent comme la cavalerie se considèrent-ils comme des héritiers? Les héritiers souhaitent-ils revendiquer l'intégralité du droit ou non? Puisque vous avez pour but de réclamer l'intégralité de l'héritage, pourquoi devriez-vous être la cavalerie? Si vous êtes la cavalerie, savez-vous quel numéro vous réclamerez? D'où viendraient ceux du deuxième niveau? Même après avoir reçu tant de nourriture, vous revendiquerez la deuxième année, le deuxième niveau. Si vous avez été un faiseur d'efforts de deuxième niveau pendant une longue période, vous recevrez l'héritage de deuxième niveau pendant une longue période et vous n'aurez l'expérience de la première année que pendant une courte période. Vous êtes ceux qui se disent être les enfants du Père à l'autorité toute-puissante, ceux qui sont nourris de la forme corporelle et de la forme aviak. Et pourtant, deuxième année, ce n'est pas juste de le dire avec des mots. Ou bien, à partir d'aujourd'hui, vous ne devriez pas vous appeler des enfants de l'autorité toute-puissante. Au lieu de les appeler des enfants, savez-vous comment Baba appelle les enfants qui s'engage à faire un tel effort? Pas les enfants bâchés, mais les faibles cachés. Faire un tel effort, même maintenant, n'est pas digne du respect du soi des enfants. C'est pourquoi Babdada dit, même maintenant que le passé soit le passé, changez-vous à partir de maintenant. Pour devenir Marathi, souvenez-vous simplement de deux choses. Que sont-ils? Tout d'abord, restez constamment avec votre compagnon. Ceux qui sont des compagnons et sont des Marathi, ceux qui conduisent le co-navigateur, co-voyageur. Il y a deux raisons à la faiblesse de l'effort. Vous avez de l'amour pour le Père, mais vous n'en avez pas pour votre compagnon. Si vous gardez constamment Babdada comme compagnon, alors, tant que vous avez la compagnie de Baba, Maya devient inconsciente, même à distance. Et on poursuivra demain. Om Shanti. Créer une atmosphère élevée, c'est le commentaire de méditation du 19 mai. Voici Moïni. Your feelings, good wishes. Vos sentiments, vos souhaits. Vos vibrations élevées, votre attitude élevée will help to create aide à créer le niveau
de phare et de générateur. Very stable and consistent. À être constant. Looking at Baba, taking drishti. Quand on regarde Baba qui prend le drishti, quand on regarde Baba et je prends le drishti, je deviens stable. My eternal stage. Et je suis dans mon niveau éternel. Love and peace. Je suis aimante et paisible. I radiate God's love. J'irradie l'amour de Baba. And there is loveful remembrance of Baba. Il y a beaucoup d'amour et de souvenirs pour Baba. Je demeure stable. Om Shanti.
jab